Cool. Hey, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Vous l'avez vu dans l'intro, je suis allé chercher, je vous ai fait un petit montage. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça cool d'ailleurs. Je commande rarement sur Alltricks, mais j'avais besoin d'une pièce spécifique et c'est le seul site où j'ai trouvé. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, bon, déjà il y a un nouveau pneu, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, il est rangé. Alors, il y a un deuxième paquet dans le paquet. Donc, je me suis commandé des nouvelles poignées parce que les miennes sont mortes. Les chambres à air ultra light, ça c'est toujours bien d'en avoir, donc j'en ai commandé deux. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ces petites pièces-là. J'espère que vous les verrez bien. En gros, c'est des doubles butées. Pour le cadre, pour pouvoir mettre des doubles câbles sur le rotor, et je vais les monter après, comme ça je vous montrerai. Et j'ai aussi acheté un câble supérieur pour pouvoir changer le mien. Alors le truc, vous allez me dire, oui mais Grégory, il n'y a pas longtemps tu avais une gaine sur ton vélo, pourquoi tu la changes? Le week-end dernier on était à Plougastel, j'étais sur un quarter bien sagement, j'attendais de dropper, et là quand j'ai droppé, la gaine s'est prise dans le guidon de Lucas et elle est décédée. Alors, elle n'a pas duré longtemps, donc je me suis dit, quitte à racheter quelque chose, autant racheter des pièces pour remonter ton rotor, et je vais faire apparaître mon vélo. À partir de maintenant, je vais monter les pièces une par une, et je vais vous montrer comment faire pour les monter proprement, et avoir un rotor qui marche bien. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par monter les butées de gaine. J'ai déjà monté le rotor, j'ai déjà monté la platine, parce que ça, c'est pas très compliqué à faire, et je pense que n'importe quel rider peut y arriver. Donc là, je vais mettre en place mes butées. Alors, vous voyez les petites vis là, ça c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai bricolé un peu mon vélo, et ça c'est des butées pour accrocher les doubles câbles. Et le câble en lui-même, c'est un câble que j'ai acheté 10€ chez Decathlon, c'est juste du câble basique de frein avec des gaines. Après, petit outil, pince coupante, une petite clé Allen, une autre petite clé Allen, et les pièces. Bref, voilà, maintenant que je vous ai montré ça, on va pouvoir mettre en place la butée. Alors pourquoi est-ce que j'ai des vis différentes? C'est parce que... J'espère que derrière ton écran, t'as cru que ça chargeait plus, hein? T'as eu un problème d'internet, mon ami? Je suis au soleil, je suis à Plourin, mon vélo est sur la bouse, et je vais vous montrer comment j'ai fait les derniers réglages sur mon rotor. Hey, tu regardes mes vidéos et t'es pas abonné? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à cliquer sur j'aime et à t'abonner. Et oublie pas la cloche. Et voilà, nous voici près de mon vélo, en mode téléachat. Ce magnifique vélo pour moins de 400€ dans toutes les bonnes boutiques. Non, je déconne, en fait, je le vendrai pas parce que c'est mon vélo et je l'aime trop. Bref, au départ, le montage que j'ai fait dans mon salon, ça marchait pas terrible. Donc, j'ai apporté quelques modifs personnels qui font que mon frein est parfait maintenant. J'ai mon autre caméra pour vous montrer de plus près. Il y a un fou du petit vélo qui vient de passer. Alors, donc là, ce que tu peux voir, je sais pas si tu sais ce que c'est. Ça, c'est la pièce qui va sur les V-brakes de VTT. Je vais te mettre une photo là, comme ça tu verras. Et en gros, ce truc-là me permet d'avoir un coude parfait et d'avoir un frein qui marche bien. Ce week-end, à Plougastel, il y avait Antoine Lenguen qui était là, un collègue de Quimper, et il avait le vélo 10-20 Cahier. Et il avait fait une modif que moi, j'ai faite sur ce vélo-là. Et franchement, c'est pas piqué des hannetons. Mais t'es qu'un voleur, pas ta phrase. C'est de qui alors? C'est de... Amixen. Amixen? Amixen, Redbox. Connais pas. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ce système-là? Donc là, il y a la butée que je vous ai montrée dans le salon. Et là, j'ai mis des gaines. Et en fait, ce système-là permet
au petit câble de jamais sortir de sa place. Parce que ça, ça m'est arrivé ce week-end justement, en downside tail whip. J'ai foutu mon pied dans le frein, le câble est sorti, ça n'a pas freiné, ça a fait un drapeau, et je me suis bien boité la gueule. Donc, cette petite modif, elle est cool. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait dessus. Maintenant, j'ai un frein tout neuf. Attention, dans les commentaires, on met pas de blagues sur « j'ai pété mon frein, j'ai cassé mon frein est usé ». On la connaît tous, il y a des enfants, ils ne comprendront pas. Ok ? Comprise. Toi, tu l'as comprise ? Ouais. Ah, dégueulasse. T'as un rotor sur ton frein de la bête aussi ? Ouais. Bon bref, on va finir la parlotte. Il y a une mini rampe à côté. Je vais tester mon frein. Pas ce frein-là, ce frein-là. À toute. Je sais pas quoi dire. Bonjour. Bonjour. Mais ça fait 4 fois qu'on dit bonjour dans cette vidéo, Hugo. Mais c'est jamais trop. Ça, c'est Hugo. C'est le petit foufou qui passait en vélo dans le flou gaussien de tout à l'heure. Allez, on fait des figures. Allez. Et c'est possible des figures avec le frein. Hein. Elle va finir sur YouPorn cette vidéo. Ouf à nous. Opposite, ouf à nous. Pour un rider qui faisait de la trottinette avant et qui maintenant s'est mis au vélo et qui a un frein, on va changer de mot, et qui a un levier au potentiel d'arrêt de vélo qui est vraiment très bien. Et il est beau son levier. Bon bref, on va attaquer les rotations roue arrière. Attention, là ça commence à être technique, même si personne ne connaît le terme technique. Parce que j'ai encore un dans les commentaires qui m'a dit oui. Tu roules pas comme avant, tu fais plus de flair, plus de flip. Et j'en fais toujours en fait. Mais c'est juste que c'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est faire des conneries au coping. Je sais pas quoi dire pour finir. Putain, c'est chiant, hein, je fourche. Vu que je sais pas quoi dire pour finir cette vidéo, je vais finir en mime. Attention, instant mime. C'est pas vraiment un mime si je bouge les lèvres. À bientôt, c'était super.